les filles, donc nous voilà au jour 2 des vacances, enfin, si on peut dire jour 2, et on déjeune dehors avec cette vue trop cool. Il fait déjà hyper beau. Et donc j'étais chercher, il n'y avait pas ça les années passées, j'ai été chercher des viennoiseries et du pain pour ce matin. Donc voilà, avec du jus d'ananas et du jus multifruits. Mathias ne peut pas attendre que je finisse de filmer. Hein. Il y a déjà nos maillots de bain étalés là. Donc voilà. On vous retrouve tout à l'heure. Regardez l'aimabilité de cet homme. Donc on va à la piscine. J'ai mis le maillot de bain comme ça. Donc vous voyez, je vous disais, il est un tout petit peu lâche ici. Mais sincèrement, oui, je suis pas coiffée. Hein. On va à la piscine, je m'en tape un petit peu. Mais sincèrement, il est très très agréable. J'ai ma paire de lunettes. On va être magnifique. Vraiment. Canon, je pense pas vous faire une photo Instagram avec ces lunettes parce que vous serez tellement jalouse que... Non, c'est, je déconne. On ressemble à rien avec ce genre de lunettes. Mais au moins, quand on met la tête sous l'eau, on peut ouvrir correctement les yeux. Ouais, je suis fatiguée. Hein. J'ai une tête, même Mathias, on est naze. Pourtant, on s'est levé, je vous dis, il était 9h moins quart, 8h30, 9h moins quart. J'avais l'impression d'avoir bien dormi, mais ouais, on est fatigué. Je pense que c'est le contre-coup des vacances et de la route, etc. Bref. On va aller un peu nager et puis ce midi, enfin, nous, en vacances, on ne mange pas à midi. Hein. Déjà, à la maison, on ne mange pas à midi. Mais alors là, on mange encore moins à midi. Si on mange à 14-15h, nous, on s'en fiche complètement. Donc voilà. Et ce soir, on va sur la Ciotat. Il faut qu'on retourne au Carrefour acheter quelques trucs pour l'apéro parce qu'on emmène l'apéro où on va. Et après, on va passer une première soirée en famille. Et ça, on est plutôt content de retrouver tout ce petit monde. Là, je vais vous montrer. Tout à l'heure, c'était dégonflé. Et là, les jeux gonflables sont gonflés. Il y a quelques années, Mathias avait joué là-dedans en pleine nuit. Mais en fait, maintenant, la nuit, il les dégonfle. Ils ont dû voir que Mathias jouait dedans. Ils se sont dit, on les dégonfle. Bref, bon, bah c'est parti. On va y aller. Je vais peut-être me rattacher un peu les cheveux. Donc voilà, à tout à l'heure. Je vous montre, parce que sincèrement, on n'a pas trop la classe avec ça. C'est un bracelet qu'on doit porter, en fait, pour que les gens qui travaillent dans le camping sachent qu'on fait partie du camping. C'est magnifique. Je crois que Mathias me l'a un petit peu serré en plus. Bref, si vraiment ça me sert trop, j'irai en rechercher un autre. Donc voilà. Bref, là, on va à la piscine. Donc, on est rentré de la piscine. Bien sûr, petit apéro, coca, arrosé. Et on a emmené, comme je vous ai dit, le barbecue électrique. Ça, c'est impeccable pour de vraies vacances. Petite chipot et merguez. Avec plutôt une belle vue. Juste là, en fait, c'est le Castellet. Là, ça continue. Il y a le Brûlat aussi. Qui est... Là, c'est le Brûlat. Et là, c'est le Castellet ici. Et en fait, derrière les arbres, vous avez Saint-Cyr. Et après Saint-Cyr, c'est la Ciotat. Mais la Ciotat est déjà un peu plus de kilomètres. Et donc là, je ne sais plus si je vous ai dit, mais nous, on est à la Cadière d'Azur. C'est un petit village typique. C'est extra. Donc il y a un petit peu nous, parce que ce week-end il y avait le bol d'or en fait au Castellet. Il y a, vous savez, c'est un circuit de Formule 1, hein, c'est ça, mais là c'est le bol d'or, c'est les motos en fait. Donc voilà, et avec, je fais chauffer de l'eau, on va faire quelques pâtes. Ça c'est cool, le lave-vaisselle pour les vacances. Après on est habitué à la maison en main, hein. Mais bon. On va manger, boire déjà un petit apéro tranquillou. Et après, je pense qu'on va retourner à la piscine. Vous voyez, j'ai mis les maillots de bain ici à sécher. Ça va vite sécher vu le temps qu'il fait. Donc, on s'est préparé puisque ce soir, on sort. Et je me suis dit, j'allais vous montrer vite fait. Je ne vais pas me maquiller, hein, je pense pas. Ce que j'ai emmené quand même comme petite palette. Du coup, j'ai emmené la petite caramel mélange et la petite Naked It. Ça, c'est une palette teint. Je vous avais fait une photo Insta. Elle est tellement belle. Oh, vous voyez trop bien les couleurs. Elle est tellement canon. Là, c'est un highlight. C'est magnifique. Non, c'est même pas un highlighter. Je vous dis des conneries. En plus, ça fait une poudre plutôt de finition. Là, c'est la palette de chez Becca. Ça, c'est ma palette de teint préférée de chez Kat Von D. La Zoeva. La Urban Decay. Et la Chic Parade de chez Benefit. Bref, elle est canon. Peut-être que je vais réussir à vous montrer comment je suis habillée. Non, même pas. Je vais demander tout à l'heure à Mathias de me filmer pour vous montrer. Donc j'ai pris ma petite pochette, vous savez, mini, je suis pas Disney à donf, mais je l'avais acheté à Primark et elle est plutôt bien pratique. J'ai mis tous mes pinceaux Beauty Blender, mon
savon pour laver les pinceaux, et ça c'est le désinfectant. J'ai mis mes faux ongles, les deux vernis que j'ai pris et tous les autres rouges à lèvres que j'ai pu prendre. Et là c'est tout le reste pour le teint, les yeux, les blushs en mono, etc. Donc voilà ce que j'ai pu emmener. Et là ce sont toutes mes petites boucles d'oreilles bijoux que j'ai voulu emmener. Donc là c'est les boucles d'oreilles que je vous ai dit que j'ai acheté à Delphine, de la bulle de Delphine. C'est Mathias qui filme, il va filmer n'importe comment, comme il aime pas filmer, bref. Et du coup, après j'ai mis la petite robe que je vous ai dit chez H&M, en col un peu bateau. Et mes baskets, c'est des quoi? Mes superstars? C'est des superstars ça? Non, si c'est des superstars, c'est pas des Stan Smith ça. Bref, mes Adidas Rose Gold, voilà. Coucou, donc on est rentré, il est plus de minuit, donc ce vlog sera tout petit. Donc on a été manger chez mon cousin, les enfants étaient ravis. 6000 regardes cette vidéo là, promis, dans une prochaine vidéo tu seras dedans. Sinon on a eu un petit souci avec l'eau ici, il n'y avait pas l'eau chaude mais ils ont été d'une réactivité très 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 rapide, donc ça c'est très cool. On a toujours notre petit bracelet. Demain normalement on va à Aix, le matin on va aller à la piscine etc. Hop, on va aller à la piscine, etc. Mais l'après-midi, on doit aller à Aix, puisqu'on doit passer absolument à la FNAC cette semaine pour aller visiter samedi le Vélodrome, donc le stade de foot de Marseille, hein, pour celles qui ne connaissent pas. Donc voilà, là, on boit un petit café, on fume une, enfin, je fume une cigarette, et on va aller se coucher. Je vais monter ce vlog, je pense, demain matin, donc vous l'aurez dans la matinée. Je ne vous donne pas d'heure pour les vlogs, sauf que vous les aurez tous les matins. Donc voilà. On va aller se coucher, je pense, parce qu'on est un petit peu naze, malgré qu'aujourd'hui, on n'ait rien fait d'extraordinaire. Je vous ferai un petit home tour du mobilhome, si vous voulez. Et puis, je vous emmènerai demain à la piscine, il n'y a pas de souci. Il fait encore très chaud. On n'est pas habitué à cette chaleur à minuit, sincèrement. Mais nous, on est très contents du soleil, malgré que mon cousin et sa femme aimeraient que les températures baissent. Mais nous, on a demandé jusqu'au 8 octobre qu'il y ait du soleil. Donc voilà. Bon, moi je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne journée pour si vous la regardez en journée, ou une bonne soirée si vous la regardez en soirée. Et je vous fais plein de bisous en espérant que le vlog de demain soit plus important pour vous. Mais je vous avais dit hein, qu'il y avait des vlogs qui seraient beaucoup plus petits et d'autres beaucoup plus grands. Quand il y a des choses à vous montrer, je vous les montre. S'il n'y a rien, bah, il n'y a rien quoi. Donc voilà, bref. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous les filles.